Ok. Alors, c'est parti. Ok, allez, on y va. Ah, putain, ça change de place. Alors. Salut à tous, c'est Comiazed. On se retrouve pour un petit live au calme. Là, j'avais envie de faire un live sur Overwatch tranquillement. Je sais pas si on m'entend bien. J'espère que oui, parce que je connais pas trop OBS. Ça a l'air de fonctionner. Donc, c'est parti pour un tour. Ouais, je fais beaucoup du Overwatch en ce moment parce que, comme Overwatch 2 va bientôt sortir, j'avais envie de gagner des crédits pour acheter mes derniers skins que j'avais pas. J'aurais pas assez, hein, de toute façon. Clairement, j'aurais pas assez. Je sais pas comment on pourra débloquer les anciens skins après la sortie du 2, mais on verra ça. Pour le coup, je sais pas vraiment. C'est un peu l'inconnu. Je sais pas si c'est pas un peu trop fort ça. Tac. Le son. Ouais, je vais baisser un peu quand même. Ouais, ça m'a l'air d'être mieux parce que je m'entendais pas trop en fait. C'est un peu ouais. Ok, bon, elle va écouter. Ouais, j'ai un problème avec les écrans moi. J'aime bien tirer dans tout ce qui bouge, ça ne sert à rien mais c'est marrant. Ok, bon, c'est parti. Alors. Ouh la vache. Quand je veux le mec qui est en face, on va se faire éclater la tête. D'accord, une toile directe, ça commence. Allez, pousse-toi. Aïe aïe. Oh là là. Mais. Ouais, ok, bon. J'étais pas trop échauffé là. J'étais pas trop échauffé. Oh putain. Tatatatatac. Ok. C'est reparti. Bon, alors, Orisa. Pas mon perso préféré, ça, clairement, mais bon. Faire ce qu'on peut, hein, comme d'hab. Oula, attention. Il y a un petit faucheur qui a rien à faire là. On va essayer de le punir là. Putain, il s'est barré. J'ai plus de toile, j'ai plus rien. Allez, pousse-toi. Je sais pas où il est le torb, là, je le vois pas. Ok, sont... voilà. Ah putain, ils sont tous là. Je vois un mec là-bas, mais je sais pas qui c'est. J'arrive pas à voir. Bon, déjà, l'avantage c'est qu'il recule quand même. On va réussir à attaquer le point. Hop là, attends, j'ai pris une attaque. Je sais pas qui c'était. C'est bon, il n'y a plus de Ana. Déjà, ils vont être un peu plus en galère. Hop là. J'ai vu le soldat avec son ulti là. Ça va chier un peu. Ok, ça va. Hop. J'ai eu de la chance. Il s'est fait cancel son ulti par Chopper. Bon, après, c'est vrai que c'est l'ulti de Faucheur. C'est pas le plus difficile à cancel pour le coup. Il est tellement facile de juste lui mettre un stun. Après, sur Overwatch 2, ce sera peut-être plus compliqué parce qu'on peut difficilement stun. Parce qu'en gros sur Overwatch 2 ils ont enlevé la majorité des stuns donc peut-être qu'il sera beaucoup plus dangereux du coup. S'il y a un faucheur qui tombe dessus avec un ulti, peut-être on va plus souffrir sur Overwatch 2 que sur le 1. Je sais pas trop, on verra. Peut-être ce sera nerf parce qu'à mon avis ça va être compliqué. Tous les ultis que tu pouvais cancel facilement, si tu peux plus les cancel, je sais pas, parce qu'il fait quand même assez mal celui-là. Après bon, faut quand même réussir à le placer, hein. Faut réussir à le caler quand il y a plein de gens autour, sinon c'est pas très intéressant. Et tu restes quand même, si tu réussis pas à toucher beaucoup de gens d'un seul coup, tu restes quand même assez faible, enfin assez fébrile. Tu peux te faire éclater en un seul coup, donc une balle dans la tête en plein ulti, sachant que tu peux pas trop te déplacer pendant l'ulti, bon. C'est quand même pas l'ulti le plus dangereux, mais ouais, sans pouvoir le stun, je sais pas trop ce que ça peut donner. On verra de toute façon. Après, de toute manière, là, ce sera vraiment... L'accès anticipé, c'est le 4 octobre, donc il y a sûrement des choses qui vont changer. J'ai pas trop joué au bêta, j'ai pas trop accroché. Je parle surtout pour la rediffusion, hein, évidemment. Mais ouais, j'ai pas trop accroché pour les bêta. Peut-être parce qu'il y avait rien à gagner en fait, je sais pas. Mais en tout cas, c'était sympa, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup joué. Du coup, j'ai joué un petit peu Sojourn, j'ai pas du tout joué Junker Queen quasiment. Bon, de toute façon, ouais, moi je suis souvent quelqu'un qui joue en mode aléatoire, donc c'est vrai que.
Sauf quand je veux vraiment gagner de l'argent et que je fais du coup les parties rapides avec les gains. Je suis quelqu'un comme ça. Bah, principalement parce que c'est très chiant en fait d'avoir des crédits pour acheter des skins. Et en gros, ouais, une des meilleures techniques c'est de faire des parties rapides qui te font gagner des pièces, quel que soit le résultat en fait. Donc ça c'est quand même assez cool. Maintenant, bon, tu vas s'imaginer qu'avec ça tu vas acheter des skins légendaires tous les jours, mais si tu joues un petit peu de temps en temps, tu peux quand même te faire un peu d'argent, ça c'est quand même cool. Sachant que bon, bah du coup, évidemment, je joue quasiment que tank ou soutien. Donc c'est vrai que DPS, j'ai pas trop l'habitude, mais sauf quand je joue en partie aléatoire, évidemment. Mais bon, du coup, des fois, ça me fait quand même un peu, ça m'ennuie un peu quand même de pas faire de DPS. Donc, parce que au final, je suis pas trop entraîné dessus, quoi. Le jour où je joue DPS, bah, je suis un peu en galère, quoi. Parce que j'ai juste pas l'habitude. Donc après, c'est vrai que j'utilise jamais les tickets prioritaires aussi. Je pourrais le faire parce que j'en ai quand même. Bah, j'ai le max en fait. J'ai le max, mais j'utilise jamais parce que bah, je sais pas. Ça me, je sais pas en fait. Ouais. En fait, c'est comme ça rapporte pas les points. Bah, je sais pas. Ça me chauffe pas trop en fait. Je pense que ça peut se comprendre, mais du coup, ouais. Bon, là, je suis un petit peu. Je suis un peu inefficace là. Attention. Putain. Ouais. Ouais, non, là j'ai fait de la merde. J'ai même pas réussi à cancel le Genji, ça servait à rien. Allez, il faut buter le tank. Il faut buter le tank. Il est mort avant que je le touche, c'est cool. Hop, purée. Ouais, bon, j'ai réussi à le tuer. Un assassinat sale. Allez, hop, donc qu'est-ce qu'il reste hein? Est-ce qu'il reste des gens dangereux? Alors, je crois que j'ai pas du tout annulé la bonne. Moi je voulais annuler le DPS, pas le heal, enfin bon, c'est toujours un perso de moins, mais je voulais plutôt cancel le, comment ça s'appelle, H, hop 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 hop, dangereux ça, il y a beaucoup de gens là-haut, hop, aïe aïe aïe, ouais, j'ai pas eu le temps d'appuyer sur eux, enfin j'ai appuyé sur eux mais trop tard je pense, c'était tendu sec, ok, bon, c'est pas grave, on va y arriver, alors, oh non je tombe sur Brigitte, oh, putain, c'est une chips maintenant qu'ils l'ont nerf quoi. J'ai jamais aimé ce perso, mais c'est vrai que franchement, enfin, j'arrive jamais à faire des trucs propres. Genre, au moins Doomfist, c'est tout ou rien. Genre, des fois, je fais vraiment des trucs de ouf. Des fois, je fais de la grosse merde. Mais alors, franchement, avec Brigitte, enfin, j'arrive jamais à faire des trucs propres quoi. Son bouclier avec ses 200 PV, il dure 2 secondes. Là, j'ai déjà plus de bouclier, j'ai pris 3 roquettes. C'est quand même un peu chaud. Et quand t'as plus de bouclier, bah, t'es quand même un peu en danger quoi. Aïe aïe aïe, et même avec en fait. Là, genre par exemple, j'ai la snipeuse qui me cible, je peux rien faire en fait. Genre vraiment, je peux pas rien faire du tout. Aïe aïe aïe. Hop! Oh là là, cauchemar. Non, non. J'ai plus de bouclier! J'ai plus de bouclier! Sachant que le bouclier ne te protège pas des roquettes, parce qu'on peut viser au sol et ça te touche quand même. Donc, non, c'est vraiment. Enfin, je trouve que c'est pas un très bon perso, je sais pas si elle sera. Si elle sera modifiée genre sur la V2, mais là pour moi il y a un problème quoi. Brigitte elle sert à rien du tout quoi. Elle était un peu trop forte avant, mais maintenant elle est carrément giga faible en fait. C'est super facile de la tuer quoi. Bon là je me suis fait massacrer par une dynamite, mais en plus, enfin, en plus c'est vraiment facile de la tuer quoi. Ah putain. Elle dure depuis combien de temps? Putain, 7 minutes? Enfin, après, remarque, tu me diras, c'est dans la limite. Hein. C'est dans la moyenne. Hein. C'est pas choquant. Ouais, je sais pas. Ce matin, j'avais envie de tester des lives. Parce que, en fait, c'est vrai que j'avais téléchargé OBS pour autre chose. Et en fait, je me suis dit que je voulais tester. Voilà. De temps en temps, comme ça, faire un live, ça me prend pas trop de temps. Enfin, là, en ce moment, c'est un peu chiant parce qu'il faut que je fasse plein de configs. Mais a priori, ça devrait être bon, j'espère. Je regarderai la rediff pour voir si c'est pas bon. Mais, parce que du coup, hier, j'ai fait une rediff. Enfin, j'ai fait un live mais sans le micro, parce que bah, j'avais pas envie. Je voulais juste tester si ça marchait et j'avais quelques problèmes niveau qualité visuelle. J'espère que ça ira mieux, là je retesterai. Sinon, il faudra peut-être que j'augmente le débit parce que je suis en fibre, donc normalement il n'y a pas de raison que la qualité soit immonde. Donc, je sais pas trop pourquoi elle l'était. J'ai pas trop regardé. Peut-être qu'il faudra regarder des tutos quand même. Hein. Je fais ça un peu au pif quoi. Enfin. Pas très grave, hein, de toute façon, c'est comme ça qu'on apprend aussi, quoi. C'est le développement web, c'est pareil. Hein. J'ai appris au fur et à mesure,
j'ai regardé des tutos, mais j'ai appris aussi un peu au fur et à mesure, donc c'est pas très grave. L'important, c'est surtout d'apprendre. Putain, je vais le mettre ça sur Winston et Brigitte qui est passée devant moi, quoi. Quelle indignité. Quelle indignité, monsieur Pujadas. Bon. Hop, 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 hop. Non. Ouais, bah, ça m'a pas tué. Ok. Alors, je pense que c'est pas du tout grâce aux soins que j'ai utilisé trop tôt. Enfin, de toute façon, ça aurait rien changé, en vrai. Puisque le soin, ça aurait été trop tard. Mais bon. C'était surtout l'important, c'était de s'éloigner, mais... C'est vrai que la bombe atomique de Diva, on sait tous que... ouais. Wop. J'ai pas pu mettre mon E. Ah, la tristesse. La tristesse du truc. Putain, on est coincé devant le machin. On est juste au bout, quoi. Je l'aime pas trop, cette carte. Je trouve qu'on est souvent coincé à cet endroit-là, parce que le dernier point, il est vraiment super défensif. C'est très difficile d'y aller, quoi. Bon, je dis ça au moment où on passe, mais... Mais c'est vrai qu'il est quand même un peu tendu, quoi. Ok, bon. Alors, où est-ce que j'en suis? Ouais. Moitié de l'XP. Moitié de l'XP. Putain, j'ai 87 heures sur Chopper, la vache. Je savais pas. J'avais pas fait attention. La dernière fois que j'avais regardé, j'étais à 70, quelque chose comme ça, je crois. Moi, j'étais resté sur le fait que j'avais 70 heures sur Chopper. Ah non, j'en ai 87. Mais bon, c'est vrai que, bah, comme je tombe souvent sur des parties tank, bah, au final, c'est un peu normal que je sois souvent sur Chopper. Parce que c'est un perso qui peut un peu se débrouiller quand t'as pas trop de soigneurs. Et ça arrive souvent. Ça arrive souvent de tomber sur des gens qui soignent pas trop, donc au final il est quand même plutôt bien. J'avais vu genre que sur Overwatch 2 au démarrage j'ai compté le mettre en DPS, ce qui me faisait chier parce que c'est un des seuls tanks que je joue beaucoup. Mais je crois pas que ce soit encore d'actualité, heureusement. Enfin, en tout cas sur les bêtas c'était pas le cas, je crois. Je crois pas qu'ils en aient reparlé, heureusement, parce que ça m'aurait vraiment fait chier pour le coup. Mais bon. Ouais, je sais pas, ça m'aurait pas trop emballé en fait qu'il passe un DPS. Je trouve que ça correspond pas vraiment en fait. Tank, je trouve que c'est très bien pour lui, parce que c'est quand même un. Enfin, après, ils auraient diminué sa taille, mais ça reste quand même un personnage qui est facile à viser. Donc, si en plus tu lui enlèves ses PV, sa capacité à se régénérer, c'est une chips quoi. C'est vraiment. c'est vraiment une cible avec un. Enfin, c'est vraiment un mec avec une cible sur la tête quoi. Donc, c'est vrai que ça m'emballe pas trop. J'espère vraiment qu'il va pas passer les DPS. Surtout que bon, niveau des DPS, enfin tu prends pas Chopper pour les DPS. Alors oui, tu peux one shot une Pharah ou un truc qui a 200 PV si tu réussis à le grab et à lui mettre une balle en tête, mais en vrai c'est pas DPS, c'est pas ça que tu prends quoi. À la limite, j'ai beaucoup de soins, mais des DPS pas tant que ça. C'est sûr que par contre, à chaque fois que je me soigne, je prends 300 PV, t'as moitié de ma vie. Par contre, ouais, des fois j'ai régulièrement médaille d'argent sur les soins alors que t'as deux soigneurs, quoi, parce que bon, bah ils se soignent beaucoup, quoi. Mais d'ailleurs, ça m'a toujours fait rire, moi, d'avoir plus de soins que des heals en fait, en tank. Mais bon, après, c'est des soins sur toi, donc ça compte pas vraiment, mais ça n'empêche que j'ai quand même la médaille d'argent sur ça. J'ai toujours trouvé que c'était un peu bizarre, mais bon, de toute façon, c'est pas très grave en vrai. Putain, n'importe quoi ce que je fais. Oh là là. Hop, je suis beaucoup trop près. Ah putain, mais j'étais collé au DPS. Enfin, j'étais collé au tank en mode bonjour. Non, non, non. Allez, hop, on recule. Ouais, je sais pas trop comment j'ai réussi à faire mes trucs. Je sais même pas comment j'ai réussi à sortir vivant de cette histoire là. Parce que j'étais collé au Sigma, j'étais collé après à Reinhard, oulala, H la distance, ça c'est pas le truc. C'est pas le truc à faire. J'ai vu quelqu'un essayer de s'approcher. Oh là, ouais. Là, je me doutais qu'elle allait revenir, mais je sais pas où elle était. Bon. Non mais c'est le karma, j'ai joué comme une bite. À un moment, fallait que ça retombe. Ah, rien de choquant. J'aurais bien mis une musique sur le live, mais j'ai peur de mettre des musiques qui sont pas libres de droit et d'avoir des problèmes. Du coup, j'en mets pas pour l'instant. Faudra que je cherche. Peut-être qu'il y a des playlists pour ça, je sais pas. Bon, après, j'ai peur que ça fasse beaucoup de son et qu'on m'entende dessus aussi. Ah, c'est beaucoup de réglages. Hein. C'est beaucoup de réglages. Tu fais tout ce truc. Enfin, sinon, faut mettre vraiment le son très bas, mais je sais même pas si on l'entendrait du coup. Bref, c'est pas grave. Ce sera pour une prochaine fois, je pense. Voilà, c'est dimanche matin. Je suis pas trop réveillé. Donc, je pense que pour Overwatch Chill, ça ira très bien.
J'arrive plus à parler. Hop là, non, 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 non. Attends, mais je vais mourir de ça, quoi. Bah non, je suis pas mort de ça, mais. Elle m'a quand même tué. Ouais, non, je suis seul de me des gens qui arrivent à bien jouer H, parce qu'en vrai, c'est pareil que Doom6 perso. Quand j'arrive à faire des trucs bien, je sais jamais comment j'ai fait. Puis je sais pas, je trouve que c'est pas facile de viser avec son fusil en fait. Genre vraiment, j'ai du mal. C'est peut-être parce que la visée est un peu particulière, je trouve, mais. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce qui fait ça, mais en vrai, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Enfin, c'est pas grave. Allez, on s'avance un peu. Tac, tac, tac. Hop, la lance, c'est dynamique. J'étais du bon côté, je suis passé de l'autre côté en mode bah non, attends, elle va me toucher. Ah, mais quel génie, mon gars, mes 200 de QI là, franchement, waouh. Wow. Incroyable, hein. Incroyable. Mon gars, Einstein n'a qu'à bien se tenir. Là, je suis très bon là. Allez, vas-y, pousse-toi de là. Non, 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 non. Ah, j'aurais dû appuyer sur. J'ai jamais le réflexe avec ce perso d'appuyer sur mage pour pas prendre des dégâts comme ça. Bon, après, je prends quand même les dégâts, mais c'est juste que ça m'aurait pas fait voler en fait. Enfin. C'est vrai que j'ai pas le réflexe. J'ai pas non plus le réflexe de voir qu'il y avait une bombe à côté de moi et que j'ai marché dessus. Vraiment littéralement en plus. Aïe. Aïe aïe aïe. Peu 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 peu. Ouais, c'était pas. C'est jamais très glorieux. Ah putain. Quitte à avoir un heal, j'aurais préféré pas avoir Ana en fait. C'est un perso que je joue quasiment jamais parce que je trouve. Enfin, c'est chaud de viser avec son sniper quoi. Que ce soit sur les ennemis ou sur les alliés, moi j'arrive pas du tout quoi. Enfin si j'arrive un peu mais genre vraiment c'est pas évident. Là, par exemple j'aime viser le mur. Ah putain. En fait c'est pas facile sur les persos qui sont pas très grands. Ouais. C'est vraiment pas évident. C'est moi qui l'ai... Non, je pense pas. Je sais pas. Je sais même pas si c'est moi qui l'ai empêché de se soigner. Pour le coup je sais pas trop. Ah purée, elle s'est mise vachement haut. Allez, hop, salut. Pour une fois que j'ai réussi à placer mon slip proprement, attention. C'était quoi ça? Ah, c'est un bénéfice qui fait malin. Okay. C'est donc pour ça. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Je sais pas où il est. Oh la vache. Oh le cauchemar. Mais non, Sigma qui est mort. Un rip Sigma quoi. Aïe. Hop. Je sais pas comment j'ai survécu aussi longtemps en visant aussi mal. 45% de précision à l'œil nu, 26% à... Ouais. C'est vrai que j'ai pas beaucoup utilisé la lunette, mais genre, je trouve que quand t'es en pleine action, viser avec la lunette, c'est pas facile. Hein. Franchement. Je sais pas si c'est moi qui suis vraiment nul, mais... je trouve que c'est pas évident. Je sais pas. Quand j'y arrive, c'est un peu un coup de chance, mais... Mais bon. Bon. C'est un peu laborieux, cette affaire. 5 minutes, ouais. 5 minutes pour le premier point. C'est vrai que ça dure longtemps ce truc. Hop. Ça dure longtemps les parties en capture de points. Je crois qu'il n'y en a plus. Je sais plus si c'est celui-là qu'ils ont enlevé sur Overwatch 2 en fait. Après, de toute façon, c'est sur les modes classiques, sur les modes normaux, enfin, sur les modes arcade, je crois qu'ils vont le remettre. Mais j'avais entendu ça. Alors, j'ai pas compris parce qu'il y avait un mode qu'ils aimaient pas. C'était le tout CP. Mais alors, je sais plus si ça doit être le capture de points, je pense. Ça doit être celui-là. Mais je sais plus. Ouais. Je pense que c'est celui-là parce que attaque défense, je crois qu'ils sont toujours, il me semble. Mais c'est vrai que bon, j'ai pas beaucoup joué au bêta, donc ce sera à voir. De toute façon, je ferai des vidéos quand il y aura Overwatch 2. J'ai un peu hâte. Dommage que le jour où ça sort, je suis pas là. Je suis encore à Paris. Enfin, c'est pas grave. Je jouerai le lendemain de toute façon. Mais de toute façon, ouais. Après, clairement, ça va farmer sur Overwatch 2. Essayer de jouer les nouveaux persos, voir s'ils sont bien et tout. Les nouvelles mécaniques aussi. Puis aussi le nouveau mode là, c'est quoi ça avec le robot, je sais plus comment il s'appelle. Mais ça va l'air. Le mode push, je crois. Et j'ai pas beaucoup joué, mais ça va l'air sympathique. Donc pourquoi pas. Je sais que par exemple le mode flag hein, avec les drapeaux là, j'aimais pas vraiment. Peut-être parce que je passais mon temps à mourir, qui sait. Mais j'avais pas trop accroché au mode. J'avais pas trop accroché à ce mode là en fait. Mais c'est vrai que moi je sais pas, je trouvais un peu. Enfin, l'idée était peut-être bonne en soi, mais je sais pas, j'avais pas trop accroché. Et du coup, c'est vrai que je joue pas trop comme certains modes, type les boules de neige ou trucs. Bon, après, c'est des modes qui sont presque événementiels, donc c'est vrai que c'est forcément clivant parce que c'est des mécaniques complètement spéciales, mais bon, c'est vrai que ça m'avait pas
spécialement plus. Putain, qu'est-ce que je vise mal? Il est où? Aïe, non, non, je suis allé me foutre dans le mur. Bah oui, bah oui, bah oui. Ça va bien m'aider, ça, tu vois. Non, 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 non. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je m'en peux plus. Genre, elle aussi, elle s'est cognée dans le mur, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'était vraiment la bataille de nulos, quoi. T'as H qui se coince dans le mur, moi qui fonce dessus, qui me fait tuer par. Ah, c'était beau à voir. Franchement, là. Ah, le combat de dégénéré, quoi. Le combat de chat de rue, quoi. Putain. C'était marrant, mais pas trop. Pour ceux qui aiment le jeu, je pense que ça doit être un peu pathétique. Quand tu sais le nombre d'heures. Quand tu sais que j'ai 700 heures dessus, c'est encore plus pathétique, je pense, mais. Je suis pas réveillé, écoutez. J'ai dit que c'était du chill. On n'est pas là pour du skill. J'ai pas mis ça dans les tags. Hein. Donc c'est normal. Ouais. Ouais, c'est un peu misérable comme excuse, mais écoutez, c'est un peu vrai aussi. Bon, je sais pas ce qu'elle fait. Elle aime bien se coincer dans ce mur. Écoutez, c'est la vie. Je sais pas. Hop, là, 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 là. Non, non, non. Je sais pas ce qu'il faisait. Je sais pas. Il me tournait autour comme une abeille, mais à un moment. Faut arrêter, monsieur. Je vous demande de vous arrêter. Bon, alors, non, 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 non. Ça, je redis non. Ouh, ouh, ouh. On voit quand même que je suis passé main sur Sigma à un moment, quand même. Hein. Bon. Pas forcément flagrant au démarrage, mais en vrai, c'était pas trop, trop mal. C'était pas si mal que ça. Ah, c'est moi qui suis. Ah bon. Je suis pas sûr que je le mérite, mais ok. Si tu veux. C'était quoi cette entrée en scène de merde? J'en ai des mieux que ça? Pourquoi il me met celui-là? J'ai l'impression qu'il met que des entrées en scène pour avant ce moment, je sais pas pourquoi. C'est pas une entrée en scène, ça. On aurait dit que c'était la classique, mais je les ai toutes en plus. Bizarre. C'est bizarre ce truc. Je sais pas pourquoi. C'est quoi, j'ai up ou. Non, j'ai pas du tout. Moi, j'en suis loin. J'en suis assez loin. Bah là, j'hésite un peu en passant à un mode classique ou en mode. Ouais, pff, non, je reste en mode aléatoire, je pense, jusqu'à la fin du stream. Ouais, je pense que je reste en aléatoire. Petit peu la flemme. Parce que là, ouais, le mode classique, ça m'emballe pas des masses. Je sais pas, on va voir ça. Parce que normalement, je crois que j'ai eu le dernier coffre. D'ailleurs, je vais l'ouvrir vite fait. Tac, tac, tac. Attendez, juste un truc. Sigma, Sigma. Parce que entrée en scène, j'en ai mieux que ça, non? Je sais pas pourquoi il met ça en ce moment. Bizarre. Bon. Je sais pas pourquoi on dirait que l'aléatoire marche pas en ce moment. Parce que c'est la deuxième fois que je vois mes entrées en scène foirées en fait. Et que ça me met l'entrée en scène classique alors que bah enfin normalement quand je mettais en aléatoire ça mettait pas les classiques normalement. Enfin j'avais déjà vu ce bug mais il me paraît arriver plus souvent qu'avant. Voilà oh, vache la meuf enfin je sais pas si mais le joueur la joueuse putain je sais même pas quel niveau c'est parce qu'il y a du c'est plus de 1100 mais ça doit être dans les 1800 peut-être ou je sais même pas imaginer le nombre d'heures que ça fait quoi. Peut-être des fois j'essaie de réfléchir au nombre d'heures qu'il faudrait pour arriver à ça. Bon de toute façon de toute façon, on s'en fiche, mais je sais pas si je suis content ou pas en fait que les niveaux soient pas reset sur Overwatch 2. De ce que je comprends, ils allaient pas l'être. Pendant un moment, ils en avaient parlé, donc bon, c'était quelque part, c'était logique hein, que tout le monde reparte à zéro, mais apparemment, ce sera pas le cas. Alors, pour mes 700 heures de jeu, je peux pas dire que ça me fait pas plaisir de garder mes niveaux, évidemment. Parce que c'est vrai que pendant un moment, je me disais, putain, ça me fait chier, je continue de monter des niveaux, mais au final, bah, je serai à reset, je trouve que c'est frustrant de ouf en fait sur les jeux quand tu bah, de repartir à zéro quoi genre vraiment tu sais t'as joué 2 ans au jeu là, même en l'occurrence c'est 6 parce que ça fait depuis 2016 que j'y joue personnellement j'ai pas joué direct à sa sortie mais j'y joue quand même longtemps et tu repars sur un compte vierge ça fait un peu chier quoi forcément hein. Sachant que bon par contre je savais un truc c'est qu'on allait garder les skins ce qui me rassurait d'ailleurs quand même j'ai beaucoup de skins payants et tout donc franchement ça m'aurait emmerdé je peux pas dire le contraire. Mais voilà, c'est vrai que je sais pas, je suis quand même assez content de garder les niveaux, mais par contre, ce qui est un peu plus chiant, par contre, là, ça, je suis d'accord que c'est chiant, c'est que tous les trucs qui permettent de faire du matchmaking, eux, bah, ils seront pas changés. Ce qui fait que par exemple, si t'as l'habitude d'être avec des groupes de merde, bah ça va continuer, donc bon, c'est pas forcément fou quoi. Après, je suis d'accord qu'on mette les gens en top 500, les remettre tous au même niveau et tout, bon. Ça aurait été le bordel, mais est-ce que finalement Overwatch c'est pas un peu ça aussi quoi, le bordel quoi. C'était un peu ça qui était cool, moi je me souviens qu'au début quand j'y jouais c'était ça qui était marrant, c'est que c'était bazar, que je comprenais rien à l'écran. Maintenant c'est devenu beaucoup plus lisible parce que bah avant tu comprends ce qui se passe, tu connais les mécaniques,
tu connais pas forcément par cœur les cooldowns, mais tu y réfléchis plus forcément sans avoir besoin de regarder tout le temps les cooldowns. Donc c'est sûr que c'est devenu plus lisible, mais finalement, est-ce que c'est pas ça qu'on veut? C'est bazar, quoi. Je sais pas. Sachant que bon, de toute façon, ceux qui sont en top 500, ça leur prendra pas longtemps de remonter diamant, platine et tout ça, quoi. Enfin, je crois pas que ça existe platine, mais vous avez compris, quoi. Donc, je sais pas. Ça, je sais pas trop. Et puis, après, je sais pas ce que vous pensez du Battle Pass. C'est un sujet épineux, hein. Clairement, c'est un sujet épineux. Je sais que par exemple, le peu que j'ai joué à Fortnite, j'ai jamais payé pour le Battle Pass, parce que bon, de toute façon, clairement, j'aime pas Fortnite. Voilà, les choses sont dites, clairement. Mais je suis pas très Battle Royale. J'ai essayé quand même un petit peu Apex. C'était plus sympa que Fortnite pour moi. Mais pour autant, bah. Parce que ça ressemble plus à un Overwatch Fortnite en fait. Mais. Enfin, un Overwatch Battle Royale, je veux dire. Mais c'est pareil, j'ai pas trop accroché. Et puis bah, de toute façon, t'as tous ce délire de Battle Pass. Le truc, c'est que comme tous les jeux le font, c'est cher quoi, force. C'est comme les abonnements Netflix et tout quoi. Au bout d'un moment. Ouais, si t'en prends un par jeu de temps en temps, tous les 2 mois, ça va, tu vois, c'est 10 € par tous les tout un certain intervalle. Ouais, mais si tu cumules avec plusieurs jeux et tout, sachant qu'en plus il faut farm le jeu pour avoir certaines récompenses et tout, ça fait quand même ça fait cher quoi. Mais c'est sûr que pour les jeux gratuits, bah ironiquement, c'est un peu le paradoxe, c'est que les jeux gratuits rapportent plus que les jeux payants en fait. C'est-à-dire que par exemple, je pense que Overwatch 2, s'il passe free to play avec des battle pass, je pense qu'il rapportera probablement plus que Overwatch premier du nom, qui, bah ok, tout le monde l'a acheté à sa sortie. Maintenant, au bout d'un moment, bah, il y avait quand même assez peu de nouveaux joueurs qui arrivaient. Ce qui explique d'ailleurs que, il y avait moins de toxicité. Enfin, en tout cas, je trouve que voilà, dernièrement, quand j'y joue, ouais, clairement, par rapport à d'autres jeux, enfin, je sais pas, je vais prendre un exemple au pif, genre par exemple, je sais pas, League of Legends. Enfin, je veux dire, le niveau de toxicité là-dessus, c'est vraiment de l'uranium, quoi. C'est waouh, wow. C'est ça qui m'avait fait arrêter de jouer. C'est vraiment putain, tu joues mal pendant une partie, tu te fais insulter par tes alliés, par tes ennemis, quoi. Enfin, à un moment, tu sais, moi, je joue à un jeu, c'est pour me détendre, c'est pas pour m'énerver et me prendre la tête avec des gens. Sinon, je vais directement à un club de boxe, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, la toxicité, ça me gonfle, quoi. Vraiment, ça me soulouvre, quoi. Donc, ouais, le fait que Overwatch 2 passe free to play, bah ironiquement, oui, ça va amener plus de joueurs, mais ça va sûrement en amener aussi de la toxicité, quoi. Donc, après, je pense qu'ils ne font pas les mêmes erreurs que sur Overwatch, c'est-à-dire de laisser, entre guillemets, alors c'est vraiment entre guillemets, trop de liberté aux joueurs, c'est-à-dire de ne pas avoir des chats modérés, de ne pas avoir d'options de signalement. Bah ouais, c'est bête, mais finalement, il n'y a que ça qui marche, en fait. Hein. Quand tu laisses les gens complètement libres, bah ça devient juste le bazar, en fait. Et pas dans le bon sens du terme cette fois-ci, c'est pas le bazar qu'on veut, c'est le bazar qu'on veut pas justement. C'est le bazar type harcèlement, type vraiment qui dégoûte du jeu quoi. Donc bon, toujours assez partagé sur le sujet, hein. C'est un sujet quand même délicat, mais bon, on verra. Franchement, on y va. Bon, par exemple, là il y a de la toxicité dans le chat, mais il y a peut-être quelqu'un qui triche, je sais pas. Je sais pas de qui il parle déjà. Jamika, c'est qui? Ok. Mais qui est-ce qui auto-aim? Ce serait Iron Man? Je sais pas. J'ai pas vu. Ok, bah, je sais pas, moi j'ai pas remarqué en fait. Je sais pas qui est auto-aim, s'il y en a. Je sais pas. J'ai pas remarqué, après c'est vrai quand tu parles, quand t'es concentré sur un stream, je vous avoue que t'es un peu moins concentré sur la partie, c'est un peu normal. C'est d'ailleurs pour ça que sur les. Comment ça s'appelle? Sur les vidéos, je le fais plus en. Enfin, je les fais qu'une seule fois vraiment, en mode je joue et en même temps je parle. Pourquoi? Parce que c'est vraiment facile de perdre ce que tu dis pendant que tu joues et inversement. Ah ok, disque c'est 10x, ok. Ouais, ça me paraît bizarre parce qu'en général les comptes d'auto-aim ils sont pas très haut niveau parce qu'ils se font ban assez vite. Je sais pas, moi j'ai pas remarqué ça. Je sais pas, on va regarder si vous voyez ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le soldat actuellement là, le auto-aim, je l'ai pas vu tant que ça, donc je sais pas trop où il est. Merde. Je l'ai pas vu tant que ça auto-aim. Hein. Je sais pas, en général c'est flagrant quand le mec il te met que des headshots, mais là j'ai pas fait trop gaffe. Surtout qu'il apparaît pas si souvent que ça. Le truc c'est que s'il avait un auto-aim, je pense qu'il apparaîtrait plus souvent dans les logs en haut à droite et je le vois pas tant que ça. Je le vois vraiment pas tant que ça. Alors je suis désolé, je regarde pas du tout le chat, je sais pas s'il y a des gens qui parlent, je pense que non, mais c'est vrai que bon, c'est pas vraiment le type de jeu où je peux regarder le chat. Peut-être un jour je ferai du Minecraft en live ou des trucs un peu plus chill où je peux vraiment de temps en temps faire autre chose, mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas super facile. Je vais peut-être aller voir quand même ma fenêtre de temps en temps. Ouais, non, ok. Ok, ok. C'est plutôt calme. Bon, c'est pas grave. Ce sera pour la rediff. Donc, ouais.
Ouais, bon. De toute façon, je vais bientôt arrêter, je pense. Peut-être que je continuerai de jouer, mais j'arrêterai probablement le live. Enfin, je sais pas, en fait, je vais sûrement arrêter dans. Peut-être encore une dernière partie, je pense. Bon, du coup, je regarde plus les logs. Est-ce que la brasse font ça? Bof. Pas tant que ça, hein. Ouais, ben, j'ai utilisé mon bouclier, mais c'est vrai que ça marche pas sur sur l'attaque de Symmetra. Ça marche pas des masses. Hein. Bon, en vrai, c'est normal. En vrai, c'est normal. Sinon, ouais, du coup, pour ceux qui regardent la rediff, hein, évidemment, parce que bon, le live, là, pour l'instant, c'est assez calme. C'est pas évident, hein, voilà. Je pense que je ferai des lives de temps en temps. Ça me prend pas forcément beaucoup de temps. Puis comme je joue déjà, en fait, au jeu, bon, bah, ça me change pas grand-chose. Que je parle ou pas, je ferai pas toujours des commentaires, je pense. Parce que... Ah. Là, apparemment, il y a quelqu'un qui a des preuves. Hein. Je sais pas, bah écoutez, s'ils ont des screens, hein, franchement, tant mieux pour eux, parce que moi je sais pas. J'ai pas fait gaffe, là j'ai la lumière dans l'œil en plus. Donc je ne fais pas vraiment attention à tout ça. Mais bon, après, comme je disais, ouais, de la toxicité, il y en a moins, mais bon, forcément il y en a toujours. Hein, bon, je veux dire, sur le nombre de parties qui se jouent par minute, vous vous doutez bien que, ouais, statistiquement il y en a toujours. Après, il y a des jeux où c'est juste. Enfin, c'est pas possible quoi, genre vraiment, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Ce qui est bizarre, c'est quand même, je le vois pas si souvent que ça. Alors oui, il est tout le temps. Par contre, il est tout le temps en feu. Bon là, ok, ça c'est normal qu'il auto-aim du coup, parce que là, il est en mode, ulti, donc ça me choque pas spécialement. Après, si effectivement la personne là qui a un niveau quand même à genre plus de 2800 dit qu'il y a quelqu'un qui auto-aim, je pense qu'on peut, je pense qu'on peut se fier, même peut-être plus que ça d'ailleurs. Je pense qu'on peut l'écouter parce que là, moi, je sais pas trop. Ce qui paraît quand même bizarre, c'est que je pense que s'il était vraiment en auto-aim, il aurait plus de kills en fait. Ce qui est pas bien fait par contre, c'est que je crois que sur Overwatch on peut voir les kills des autres, sur ce jeu on peut pas. Tu ne vois que ta fenêtre. Donc tout ce que les autres y font, t'en sais rien. Et du coup, oui, c'est vrai que c'est avantageux par rapport à League of Legends, comme je disais comme tout à l'heure, parce que tu ne peux pas par exemple dire c'est de la faute de telle personne. Enfin, en tout cas, c'est difficile de le dire, t'as pas de preuves réellement, machin, etc. Sur le League of Legends, tu vois ce qui feed clairement. Ce qui est encore plus grave sur League of Legends, parce que forcément bah, ça donne des niveaux aux autres, ce qui fait que c'est encore plus dur pour toi de compenser, etc. Sur ce jeu, quand même un peu moins, même si bon, ce qui feed c'est pas ouf, mais voilà. Donc c'est un peu moins gênant, mais c'est sûr que ça reste un peu chiant quand même. Après, bon, il y a ceux qui feed et il y a ceux qui jouent pas très bien aussi, hein, faut bien le prendre en compte. Donc c'est un peu. Voilà. C'est pas forcément évident. I'm just better than you. Ok. Alors, il a peut-être un aim, mais les aimbots en général ils répondent pas. Je sais pas. Je sais pas trop. C'est même pas lui qui a l'action de la partie. Hein. Ouais, je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. J'en sais rien. Voilà. Ouais, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Là, j'ai pas d'avis sur la question. Je sais pas vraiment s'il a cheat ou pas. J'en sais rien. Là, pour le coup, je suis pas persuadé de ça. Si le gars dit qu'il a des screens, tant mieux pour lui. Parce que moi, je n'en sais rien. Bon, petite dernière et j'arrêterai la rediff. Enfin, j'arrêterai le live plutôt. Et je mettrai la rediff. Bon, on verra bien comment ça se passe. Ouais, je vais arrêter là, je pense. Je vais arrêter là. Ok, bon, bah écoutez, c'était Call Me AZ. À plus.